La politique s'incline devant le football, Belmadi choisit Bounou et Regragui malgré les tensions entre l'Algérie et le Maroc. Article publié par Maroc Hebdo. Dans un élan d'élégance sportive, Jamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, évoque avec panache ses choix lors des FIFA Best Football Awards. Les sommets de sa sélection sont marqués par l'appréciation des prouesses de Yacine Bounou et Walid Regragui, les lions de l'Atlas, mettant ainsi de côté les tensions géopolitiques entre les deux nations voisines. J'ai voté Regragui, j'ai voté Bounou, ils ont fait du bon travail, il faut le reconnaître. Ils ont un certain style, c'est peut-être passé ric-rac mais ils l'ont mérité, s'exclame-t-il avec enthousiasme. Les étoiles qu'il attribue aux artistes du ballon rond, tels que Bounou, Martinez et Ederson, ainsi qu'aux chefs d'orchestre, Regragui, Scaloni et Ancelotti, reflètent une approche où l'impartialité et la reconnaissance des talents sportifs règnent en maître. La prise de position de Belmadi incarne une ode à l'éthique sportive, où les frontières politiques s'effacent pour laisser place à la célébration des performances et des mérites des athlètes. Les tensions géopolitiques s'effacent devant la beauté du jeu et le respect des adversaires. Le sélectionneur des Fenecs n'hésite pas à saluer les exploits de la sélection marocaine, qui a conquis les demi-finales de la dernière Coupe du Monde. Ce que l'on peut analyser de cette Coupe du Monde, c'est qu'il y a d'abord des équipes inattendues qui ont fait de vraies belles choses, comme l'Arabie face à l'Argentine, le Maroc qui a fait une très belle Coupe avec ce jeu-là, s'enthousiasme-t-il.